Salut à tous et bienvenue dans ce résumé de la saison 2011 des Midget Series. Une saison qui, vous allez le voir, a tenu une nouvelle fois toutes ses promesses. Alors, sans plus tarder, on s'intéresse au premier meeting de la saison. Une saison dont le coup d'envoi était une fois n'est pas coutume donné sur le circuit de Lédenon début avril. Une épreuve inaugurale qui s'est déroulée dans des conditions idéales sous le chaud soleil du Gard. De quoi ravir spectateurs et participants, des pilotes venus en nombre pour souffler les 5 bougies de la Midget Series. 5 ans que ces petits bolides font le bonheur de leurs pilotes au gré de 4 courses par week-end. Une véritable fierté pour le créateur et organisateur du championnat, Jean-Philippe Desraux. Ce matin, c'était pas du tout le cas. Donc ça, c'est les règles. Il faut les accepter et voilà. Donc bonne chance pour tout à l'heure et faites-nous un beau spectacle. 5 ans, ça commence à être pas mal. 5 ans, en plus, dans le sport automobile, c'est un peu, je dirais, un levier parce que ça marche ou ça marche pas. Donc on a de plus en plus de clients et donc ça me rassure pour l'avenir. Une quantité qui n'empêche pas à la qualité d'être également au rendez-vous. En effet, après 5 ans, le plateau continue de faire le plein et la compétition est à tous les étages. La bagarre est toujours présente, beaucoup de dépassements, 45, 48, 50 voitures au départ, ça fait toujours beaucoup de spectacles. Toujours réservé aux amateurs, donc ça c'est aussi très important pour nous. On peut voir que l'année dernière, il y a eu, je crois, 17 vainqueurs différents, donc ça c'est très important aussi. Et sans plus tarder, nous allons tenter de découvrir le nom du premier vainqueur de 2011. Mais en attendant, sachez que le premier poleman de cette saison est un rookie. Il se nomme Thierry Lacerbe et il a devancé au chrono Frédéric Faucher, Michael Gage, Lionel Mazard et Ronald Basso. Et nous embarquons tout de suite aux côtés de Michael Gage pour ce premier départ. Gage qui déborde Lacerbe dès les premiers mètres et s'empare de la deuxième place avant que Lionel Mazard ne l'en dépossède immédiatement. Frédéric Faucher, Lionel Mazard, Michael Gage. Voilà le classement à l'entrée du triple gauche. Mais Mazard va très vite sortir l'écrou et attaquer le leader. Une touchette qui ne déstabilise pas pour autant Faucher alors que derrière, le chaos règne au sein du peloton et les accrochages vont bon train. Des accidents à répétition qui provoquent la sortie de la voiture de sécurité dès le deuxième tour. La course est relancée un tour plus tard et cette fois c'est Frédéric Faucher qui va prendre le large dès les premiers mètres. Une avance de courte durée puisque Mazard parvient à le rattraper et à le dépasser dès le virage du pont. Mazard, Faucher, Gage, voilà donc le nouveau trio de tête. Un trio qui va évoluer dès la boucle suivante. Avec ce dépassement de Gage sur Faucher à l'aspiration dans la ligne droite. Le pilote de la 67 s'empare ici donc de la deuxième place. Et tandis que Lionel Mazard, le leader, caracole en tête, derrière lui, Michael Gage n'est pas tranquille. Débarrassé de Faucher, il est à présent aux prises avec un redoutable adversaire, Ronald Basso, qui va lui dérober sa deuxième position à quelques encablures de l'arrivée. À Ronald Basso, le champion 2009, qui passe ici Michael Gage pour le gain de la deuxième place. Mais le pilote de la 92 n'est pas tranquille pour autant, car derrière lui, une meute de 3 pilotes emmenée par Michael Gage et suivie de Grégor Raimondis et Frédéric Faucher attend la moindre erreur pour passer. Une erreur que va commettre Frédéric Faucher dans les derniers mètres de cette course. Un petit passage par le bac à gravier alors que devant, Lionel Mazard s'envole tranquillement vers sa première victoire de la saison. L'Albigeois s'impose finalement devant Basso et Gage, les 3 hommes qui montent également sur le podium de la Skoda Fabia Cup. Je suis le premier étonné d'avoir gagné avec aussi autant de facilité. Bon, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de bagarres derrière. Moi, j'étais tranquille devant, j'ai pu soigner les trajectoires comme j'ai dit tout à l'heure et donc pas trop chauffer les pneus et utiliser la voiture à 100%. Au départ, de bon augure pour la suite de l'aventure Midget. Allez, sans plus tarder, le départ de la 3e course de ce week-end gardois avec, je vous le rappelle, une grille inversée pour les 10 premiers. Et on embarque avec Grégor Raimondis. Raimondis, auteur d'une petite touchette sur Christophe Carrière devant lui. Une touchette qui va coûter cher au pilote de la 53 qui perd immédiatement 2 places au profit de Basso et Mazard. Pendant ce temps-là, devant cet Hubert Terrier qui a pris l'avantage sur Jean-Michel Guiteau. Guiteau débordé dans la foulée par Jean-Noël Langtuy. Alors que juste derrière, Grégor Raimondis assiste au dépassement simultané de Mazard et Carrière sur Faucher.
Grégor Raimondis qui en profite lui aussi pour s'infiltrer. Et pendant ce temps-là, Jean-Noël Langthuis s'est emparé des commandes de la course. Le patron du Bordeaux Racing devance Hubert Terrier, Michael Gedge et Jean-Michel Guiteau. Mais Gedge va partir à la faute à l'entrée de la parabolique. Le pilote de la 67 parvient à repartir un peu plus loin dans le peloton. Alors que devant le leader, Jean-Noël Langthuis commence à se creuser une confortable avance sur son premier poursuivant, Hubert Terrier. Terrier qui va d'ailleurs devoir céder face à Ronald Basso. Puis face à Christophe Carrière et Lionel Mazard simultanément. Et c'est ce groupe de trois poursuivants qui va se livrer une des plus belles bagarres de cette course. Basso, Carrière, Mazard. Basso, Mazard, Carrière. Les trois hommes sont au coude à coude. Mais l'albigeois Lionel Mazard est visiblement un cran au-dessus. Et il va avoir raison de ses rivaux. Un des rivaux qui en profite pour poursuivre leur duel pour la troisième marche du podium. On croit alors le résultat quasi scellé, mais c'est sans compter sur Lionel Mazard qui, auteur d'une remontée spectaculaire, va revenir au contact de Jean-Noël Langthuis. Et le pilote de la numéro 8 ne va pas perdre une seconde. La première attaque au freinage de la ligne droite est la bonne. Voilà Lionel Mazard à nouveau en tête. Un leadership qu'il conservera jusqu'au passage sous le drapeau à damier. La troisième victoire consécutive pour Lionel Mazard devant Langthuis et Basso. Et pour Mazard, l'Aidenant sera donc synonyme de domination. Vainqueur des quatre manches gardoises, c'est en logique leader que l'Albigeois arrive dans le Gers. Et à Nogaro, il va réitérer ses exploits en remportant la première course avant de céder la seconde à Patrice Tiva. À direction donc la troisième course de ce meeting gersois. Une course emmenée par Ronald Basso dès les premiers mètres. Le pilote de la 92 a en effet surpris Didier Lescaut, le poleman, dès l'entrée dans le virage de la ferme. Tandis que juste derrière, Michael Gedge et Grégor Raimondis viennent de déborder Alexandre Simon pour le gain des places d'honneur. Basso, Lescaut, Gedge, Raimondis, voilà donc le quatuor de tête après une demi-boucle dans cette course qui en compte 9. 9 tours d'une bagarre qui s'annonce particulièrement intense. Alors que derrière, on assiste à une petite figure bien rattrapée de Patrick Cody dans le peloton. À devant, alors qu'il tenait son rang deuxième depuis le départ, Didier Lescaut va devoir céder à deux reprises à Michael Gedge d'abord, puis à Grégor Raimondis. À Raimondis qui ne laisse pas à Gedge le temps de profiter de sa deuxième position puisqu'il l'en dépossède dans la foulée. Mais le duel entre les deux hommes est loin d'être terminé. Et le jeune Anthony Gandon, au volant de la midget numéro 7, va même venir se mêler à la lutte. Gandon qui voit malheureusement dans ses rétros le retour de la bête noire du plateau. J'ai nommé le leader du classement général et du classement de la Skoda Fabia Cup, Lionel Mazard. Et le rookie ne va rien pouvoir faire face à l'expérience de l'Albigeois qui s'infiltre de manière assez virile à la troisième position. Et c'est sans se soucier de ses adversaires que Lionel Mazard va continuer sa marche en avant. Et à peine une boucle plus tard, le voilà qui déborde Grégor Raimondis. Mais ce dernier ne lâche rien. Grégor Raimondis qui, tout à sa lutte pour récupérer sa deuxième place, va commettre une erreur. Une faute qui profite à Langthuis en embuscade derrière. Langthuis qui va être quelques mètres plus loin, le témoin de la sortie spectaculaire et tout à fait inattendue de Mazard qui a glissé sur de l'huile. Une sortie qui offre la deuxième place à Jean-Noël Langthuis. Langthuis néanmoins toujours sous la pression de Grégor Raimondis.
Alors que devant, Ronald Basso, impérial de bout en bout, a lui le champ complètement libre pour remporter son premier succès de la saison. J'ai pris un très très bon départ, je savais qu'il fallait faire le trou tout de suite parce que derrière ça allait revenir fort. J'ai réussi à prendre pas mal de distance au départ, la voiture a très bien fonctionné, on l'avait réglé pour, et sur la fin il manquait juste à assurer. C'était une super bagarre avec Jean-Noël, il manquait pas grand chose, peut-être 10 mètres. C'est vraiment dommage pour Lionel parce qu'en plus il abîme la voiture et que c'est vraiment un bon compétiteur et que ça faisait plaisir de se battre à 4 comme ça. Enfin, Ronald était loin devant, bon, difficile à aller chercher, mais bon, en tout cas, super course, je me suis vraiment régalé. Ouais. Allez, sans tarder, le départ de la dernière manche de ce meeting de Nogaro. Un départ aux côtés de Michael Gage qui s'empare rapidement des commandes avant de se faire déborder par Ronald Basso à l'entrée du virage de la ferme. Basso qui semble décidé à signer le doublé en ce lundi de Pâques. Et le voilà bien parti, seulement, voilà, derrière, Gage, Gédet, Damiani, mais surtout Lionel Mazard ne l'entendent pas de cette oreille. Mazard qui, parti depuis la 7e position, grille inversée oblige, est déjà remonté à la 3e place après ce dépassement sur Manu Damiani. Et Mazard qui va bien évidemment s'en prendre immédiatement à Michael Gage. Un dépassement pas si facile que ça sur le pilote de la numéro 67 dans la 3e boucle. Désormais deuxième, l'Albigeois est lancé aux trousses du leader Ronald Basso, le Parisien qui va tout faire pour résister avant de céder dans l'avant-dernier tour. Mazard pense alors peut-être avoir la victoire au bout de ses doigts, mais c'était sans compter sur le retour de Jacques Guccio qui va venir perturber ce duel dans les tout derniers virages. Guccio opportuniste qui s'empare des rênes de la course avec autorité. Il les conservera fermement jusqu'à l'arrivée. Jacques Guccio l'emporte finalement donc devant Lionel Mazard et Ronald Basso. Je m'attendais quelque part à ce qu'il y ait ce genre de bagarre jusqu'au dernier moment et je pensais pouvoir en tirer parti. À ce point, pas jusque-là, mais j'ai cru quand même, donc je suis ravi du résultat et ça fait un week-end carton plein et c'est effectivement à Nogaro un plaisir encore plus particulier en ce qui me concerne avec mon fils qui a 10 mois, qui est venu voir pour la première fois et qui aura vu, il ne s'en souviendra pas, mais plus tard, son papa lui faire une pole position et des victoires, donc ne serait-ce que pour ça et sa maman qui nous accompagne. Je suis vraiment ravi. Et Guccio fait la bonne opération du week-end. Le voilà désormais leader du classement à égalité avec son ami Jean-Noël Lanctuy. Lionel Mazard descend lui à la 3e place. Au classement Skoda Fabia Cup, Mazard mène devant Basso et Gage. Et après deux circuits français sévères à un tracé espagnol que se dirige le plateau Midget à la mi-mai. Direction donc Navarra, une piste de 3,9 km qui accueille la Midget pour la 2e année consécutive. Un coup de projecteur sur ce circuit inauguré il y a un an en compagnie du leader du championnat, Jacques Guccio. Bonjour, c'est Jacques Guccio, bienvenue à bord de la Midget numéro 27 aux couleurs du groupe Nakara sur le splendide circuit de Navarra en Espagne. Troisième manche du championnat de France de Midget 2011. On est actuellement dans la grande ligne droite qui passe devant les stands, très longue et en hauteur, ce qui a cette particularité d'empêcher que l'on soit au rupteur par rapport à d'autres circuits. On rentre maintenant dans un droite rapide en quatrième avec un léger freinage, suivi immédiatement d'un droite un peu bosselé en entrée. Il faut contenir la voiture pour avoir de la motricité en sortie. Cette courbe est suivie d'un gauche rapide en quatrième qui emmène un petit peu la voiture à l'extérieur. On redescend dans la cuvette presque au cœur du circuit pour un gauche très rapide cette fois qui
rentre fort et il faut tenir la voiture parce que la sortie du virage se fait en montée, il y a un effet de cuvette. On arrive maintenant sur un enchaînement gauche-droite avec une partie bombée où la voiture déleste un petit peu. Il faut la tenir proche de la corde et on plonge immédiatement pour un droite beaucoup plus serré en troisième ou en deuxième selon les circonstances de la course. Sortie de virage, peu de motricité, il faut bien tenir la voiture en ligne. Longue descente, on passe à nouveau la cinquième, ce qui est rare sur ce circuit, ça arrive en deux occasions, sur un gros freinage qui freine très tard malgré la descente. Et c'est suivi là maintenant à l'entrée d'un virage très serré, problème de motricité en sortie. Il faut tenir la voiture tout proche de l'extérieur et venir immédiatement chercher la corde du virage suivant qui emmène sur le freinage en ligne le plus possible pour ce gauche serré qui motrice peu également. On redescend un petit peu, à nouveau un virage un petit peu en dévers cette fois, qui glisse beaucoup, c'est la particularité de l'ensemble des virages de ce circuit. Et à nouveau un virage serré épingle avec une sortie également délicate qui conditionne une partie assez longue. On passe la quatrième et parfois la cinquième pour revenir là où je vous ai rencontré au début du circuit avec ce droite qui conditionne cette immense ligne droite. Là encore, on arrive sur une espèce de dôme. Et il faut calmer l'auto pour arriver à profiter au mieux de bonnes conditions d'adhérence pour ensuite attaquer cette ligne droite. A très bientôt et merci à tous. Et maintenant que Navarra n'a plus aucun secret pour vous, place à la première course du week-end. A noter que c'est Ronald Basso qui a signé la pole position devant deux rookies, Stéphane Georges et Thierry Lacerbe. Lionel Mazard, lui, ne s'élancera que du quatrième rang. Allez, le départ lancé pour 9 tours avec un très bel envol de Ronald Basso. Le poleman conserve les rênes à l'extinction des feux alors que juste derrière, Stéphane Georges doit céder face aux attaques de Lionel Mazard. Mazard qui trouve l'ouverture dès ce premier virage. Avant de se lancer à la poursuite de son plus grand rival dans la course au titre, j'ai nommé Ronald Basso. Basso, Mazard, Georges et Lacerbe. Voilà donc le quatuor de tête. Un quatuor qui roule en rang serré, tandis que derrière, la course est déjà terminée pour Michael Gage. Et comme on pouvait s'y attendre, Lionel Mazard ne va pas mettre longtemps à passer à l'attaque sur le leader et qu'il va parvenir à déborder. Mais Mazard, un peu optimiste au freinage, va sortir large. Et ses deux adversaires vont en profiter pour reprendre leur bien. Basso et Georges s'infiltrent, mais l'Albigeois n'a pas dit son dernier mot. Et à peine a-t-il remis ses quatre roues sur la piste qu'il repart à l'attaque. Attaque sur Stéphane Georges tout d'abord. Le pilote de la 78 qui ne résiste pas longtemps et cède sa deuxième place à la Skoda numéro 8. Mazard qui va ensuite repartir à la poursuite de Basso. Alors que juste derrière, Stéphane Georges commet une petite erreur qui lui fait perdre de précieuses places et l'éloigne ainsi du podium. Et un fait de course va rapidement mettre fin au suspense de cette première manche car la sortie de Laurent Cazenave va provoquer l'entrée en piste du safety car. La midget numéro 30 qui perd beaucoup d'huile. Le temps d'évacuer la voiture et de nettoyer la piste. Les midgets ne repartiront que pour la dernière ligne droite de cette course. Et sans surprise, c'est donc Lionel Mazard qui l'emporte devant Ronald Basso et Thierry Lacerbe. Allez, sans plus tarder, on passe à la course 2. Et c'est une nouvelle fois Ronald Basso qui s'élancera depuis la pole. À ses côtés, on retrouve cette fois Christophe Carrière. Et vous allez le voir, les départs se suivent et se ressemblent pour Ronald Basso. Deuxième départ et deuxième all shot de la journée pour le Parisien qui prend un envol parfait devant Carrière, Georges et Lacerbe. Et comme en première manche, le leader va très vite subir la pression de ses poursuivants. Au premier rang desquels Christophe Carrière qui part à l'attaque du leader. La Carrière qui, dans sa fougue, va commettre une petite erreur, un freinage un peu tardif. Et le voilà qui sort dans l'herbe. Le pilote de la midget numéro 100 perd tout le bénéfice de son action. Basso et Georges en profitent pour s'infiltrer.
Alors que plus loin dans le peloton, le tout jeune Anthony Gandon va perdre sa 14e place après un tête-à-queue. Un tête-à-queue provoqué par une touchette de Desreyo et qui fait perdre son sang-froid au jeune loup. Après de belles performances à Lednon et Nogaro, le pilote de la 7 manque une nouvelle occasion de se rapprocher des leaders. Pendant ce temps-là, devant, c'est Stéphane Georges, très en forme, qui est aux trousses de Ronald Basso. Très véloce depuis son arrivée dans le championnat, le pilote de la midget numéro 78 tente de se frayer un chemin vers la tête de course. Et on peut dire qu'il n'a pas froid aux yeux. Et c'est d'ailleurs aux premières loges que Christophe Carrière va assister à cette bagarre. Une bagarre qui va malheureusement finir par un accrochage entre les deux leaders. Une carrière qui va ainsi récupérer les commandes de la course aux dépens de Stéphane Georges. Alors que derrière, Lionel Mazard, lui, en a profité pour se faufiler à la troisième position, juste devant Ronald Basso. Un nouveau leader donc, mais situation identique à quelques encablures de l'arrivée. Après s'en être pris à Basso, c'est à Carrière que Stéphane Georges est décidé à s'attaquer. Un dépassement qui va décontenancer le pilote de la numéro 100, qui va à nouveau commettre une petite faute. Une faute qui permet à Mazard de se glisser à la deuxième place. À deux tours du tombé du drapeau à damier, voilà donc Stéphane Georges aux commandes de cette course. Mais ce dernier va tomber sur plus fort que lui en la personne de Lionel Mazard, qui va à son tour le déposséder de son leadership. Alors que juste derrière, Ronald Basso va lui récupérer la troisième place aux dépens de Christophe Carrière. Mais une décision de la direction de course va à nouveau bouleverser ce classement. Pénalisé d'un drive-through, Stéphane Georges doit faire une croix sur le podium. Un podium sur lequel monte par conséquent provisoirement Christophe Carrière. Carrière qui aimerait bien faire mieux et qui va essayer d'aller chercher la deuxième place de Basso jusqu'à l'arrivée. Une arrivée qui consacre une nouvelle fois Lionel Mazard. L'Albigeois s'impose devant Basso et Carrière. Le podium est identique en Skoda Fabia Cup. Et avec trois nouveaux succès glanés en Espagne, Mazard récupère les rênes du classement. Mais dans la Vienne, les choses vont se compliquer pour lui avec des chronos décevants et un abandon en première manche. Un meeting du Val de Vienne qui accueillait aussi les grands débuts de Simon Pagenaud dans la catégorie. Et vous l'aurez compris, ce n'est pas Simon Pagenaud qui a signé la pole position de cette deuxième course, mais bien Ronald Basso. Le pilote de la Vienne s'élancera en troisième position. C'est Christophe Carrière qui partira une nouvelle fois aux côtés du poleman. Allez, le départ depuis la voiture de notre guest star Simon Pagenaud qui prend un très bel envol, mais qui voit finalement Gage Basso et Carrière le devancer au premier freinage. Ça se complique derrière pour Stéphane Georges qui fait un passage par le bac à gravier et lève un énorme nuage de poussière. Pendant ce temps-là devant, Basso est en train de s'emparer des commandes aux dépens de Gage. Et si le duel entre les deux hommes de tête s'avère plutôt sage, ça se gâte juste derrière. Une petite touchette entre Pagenaud et Mazard. Et voilà le pilote Peugeot Sport en difficulté, menacé notamment par Anthony Gandon. Mais Pagenaud ne lâche rien et se lance une nouvelle fois à la poursuite de Gage. Et malgré les bousculades viriles de Mazard, Pagenaud va finalement parvenir à trouver l'ouverture sur le pilote de la numéro 67. Voilà donc Simon Pagenaud en deuxième position, mais cela ne suffit pas au deuxième des dernières 24 heures du Mans qui se prend au jeu et augmente le rythme pour revenir au contact du leader. Alors que derrière, Lionel Mazard a trouvé à son tour le passage sur Michael Gage et se rapproche désormais dangereusement des leaders. Lionel Mazard qui ne va d'ailleurs pas hésiter à mettre la pression sur Simon Pagenaud.
après plusieurs virages sous la pression du leader du championnat midget, eh bien Simon Pagenaud va craquer. Mazar passe en deuxième position à 3 tours de l'arrivée, mais Simon Pagenaud ne l'entend pas de cette oreille et il va répliquer immédiatement. Vous le voyez ici, le pilote d'endurance va reprendre son bien moins d'un tour plus tard. Et voilà qu'il se lance à nouveau à la conquête du leadership. Un leadership incarné par Ronald Basso. Et un leadership sur lequel Mazar va devoir faire une croix après cette sortie de piste. Le pilote de la numéro 8 qui part dans le gravier et qui perd tout espoir de podium. Simon Pagenaud, lui, y croit toujours en revanche. Et c'est un superbe duel que vont se livrer les deux hommes durant cette dernière boucle. Simon Pagenaud qui cherche la moindre faille et qui va tenter le tout pour le tout dans le dernier virage. Les deux hommes vont au contact et c'est finalement Simon Pagenaud qui va avoir le dernier mot. Basso deuxième, hérite néanmoins à des points de la victoire. À troisième place pour Michael Gage. Et si ce meeting du Val de Vienne était l'occasion de découvrir un Simon Pagenaud très à l'aise au volant de la midget, ce quatrième rendez-vous de la saison aura été synonyme de difficultés pour les prétendants au titre. Ainsi, après les abandons respectifs de Basso et Mazar, c'est Jacques Gouchot qui a repris les commandes du championnat. À son arrivée sur le tracé auvergnat de Charade, le Parisien devance son rival et ami Jean-Noël Langtuy. Mais dès la première course, Lionel Bazard va contre-attaquer en l'emportant. Qui remportera donc cette deuxième manche? Peut-être encore Lionel Mazard qui a signé la pole position devant Basso, Damiani et Carrière. A noter par ailleurs la présence dans cette course de deux invités de marque, à savoir Jean-Philippe Dérault et Rudy Servol, le triple champion de la série. Servol, l'Auvergnat, qui, parti du fond de la grille, va se frayer un chemin vers les avant-postes en évitant les accrochages. Départ, on prend les mêmes et on recommence. Jean-Philippe Dérault prend le commandement. Juste derrière, Mazar résiste à Basso. Fin du deuxième tour, Dérault mène toujours la danse et creuse l'écart avec Mazar. Basso derrière a du mal à tenir le rythme, mais c'est sans compter sur les problèmes de la numéro 26 de Jean-Philippe Desplats. Le pilote va être victime d'une sortie de piste, obligeant l'entrée de la voiture de sécurité. La neutralisation dure 4 tours, le temps pour les commissaires de la ZAC Auvergne d'évacuer l'auto du malheureux Desplats. Relance, Mazar revient sur Dérault, s'engage alors un sprint final de 3 tours. Pas de changement derrière, Ronald Basso occupe toujours la 3e position devant Manu Damiani et Christophe Carrière. À l'arrière, pour les places d'honneur, Frédéric Hébert se fait surprendre au freinage. Heureusement, plus de peur que de mal pour le pilote de la 77. Dernier tour, Basso, Damiani, Carrière et les autres n'arrivent pas à suivre le rythme imposé par Dérault et Mazar. Roulant pour le plaisir, le boss de la série Jean-Philippe Dérault s'efface et laisse le champ libre à ses pilotes. Victoire donc de Lionel Mazar devant Ronald Basso et Manu Damiani qui termine pour la première fois dans le trio de tête. Et après ses deux premiers succès, Mazar va enfoncer le clou. Vainqueur de la 3e course du week-end, le pilote de la 81 est en route vers un nouveau sans faute. Pour cette ultime course, il s'élance de la 10e place. C'est Anthony Gandon qui part depuis la pole devant Georges, Gage et Gucho. Gandon surpris par Gage et Georges au départ, alors que Fauchère tente lui aussi sa chance.
Gandon se défend et se maintient à la seconde place derrière Gage. Faucher en a profité pour passer Stéphane Georges. Anthony Gandon patiente pendant 3 tours derrière Michael Gage avant de le déborder et de prendre la tête de la course. Gandon entend bien viser la victoire. Le jeune pilote, dont c'est la première saison en sport automobile, se construit une belle avance. Stéphane Georges récupère sa seconde place après s'être débarrassé de Michael Gage. Derrière, les hommes de tête se jouent une autre bagarre, celle pour le championnat. Lionel Mazard compte bien récupérer un maximum de points et attaque Ronald Basso en fin de course pour le gain de la 8e place. Après avoir mené la majorité de la course et pris une belle avance, Anto Gandon s'offre une première victoire méritée devant Stéphane Georges et Michael Gage. Et grâce à ces deux victoires à charade, Lionel Mazard peut partir en vacances serein. L'Albigeois reprend les commandes du championnat pour 2 petits points à Jagucho. Au classement de la Skoda Fabia Cup, Mazard devance Basso et Gage. Après l'Auvergne, direction le Tarn et Albi pour le traditionnel meeting de rentrée. Albi sous des troncs d'eau à la bord de la deuxième manche du week-end. Et dans cette course pour le moins humide, c'est Frédéric Faucher qui s'élancera depuis la pole devant Carrière. Le leader du championnat, Lionel Mazard, partira lui depuis la troisième ligne. C'est parti pour 8 tours de glissade et autres travers pour les pilotes B. Et dans ces conditions, c'est très prudemment que le peloton aborde le premier virage. En tête, Frédéric Faucher a conservé l'avantage. Il devance le vainqueur de la première course du week-end, bien sûr, Christophe Carrière. Suivent Nicolas Gomard et Jacques Gucho. Gucho qui va trouver l'ouverture sur Gomard au bout de la ligne droite du Rajol. Alors que de son côté, Christophe Carrière cherche lui l'ouverture sur le leader, Frédéric Faucher. Christophe Carrière qui tente tout ici sur Frédéric Faucher. Carrière qui entend bien remporter une deuxième course après sa première victoire dans la première manche. Pour l'instant, ça ne passe pas ici au freinage. Une nouvelle tentative de Christophe Carrière ici à l'entrée de la chicane du séquestre. Mais en vain. Alors que juste derrière, en revanche, ça passe pour Lionel Mazard qui s'empare de la troisième place aux dépens de Jacques Gucho. Mazard qui va très vite revenir sur Christophe Carrière qui, tout à sa bagarre avec Frédéric Faucher, va se faire surprendre par le régional de l'étape à l'entrée du double droit de l'aérodrome. Voilà donc le leader du championnat revenu en deuxième position et qui ne va pas perdre une seconde pour attaquer Frédéric Faucher. Le pilote de la numéro 33 résiste bien, mais malgré une belle figure dans la ligne droite des stands, Mazard va parvenir à le surprendre et à s'emparer des commandes de la course. Mazard qui tente ici à l'extérieur et voilà la glisse du leader du championnat qui parvient néanmoins à s'emparer des rênes de la course. Mazard, Faucher, Gucho, Carrière. Voilà le classement à l'issue du deuxième tour. Un classement qui va considérablement évoluer d'ici à l'arrivée. Car derrière le trio de tête, deux hommes, deux pilotes d'expérience, Sirgue et Langtui, font leur retour aux avant-postes. Sirgue dépossède tout d'abord Gucho de sa troisième place, tandis que Langtui va lui gagner 3 places d'un coup grâce à cette belle manœuvre au freinage de l'aérodrome. Et voilà, Langtui qui gagne 3 places aux dépens de Gucho, Sirgue et Faucher qui en reste bouche bée. Et tandis que Langtui tente de refaire son retour sur Mazard, Sirgue, lui, est à l'attaque sur Faucher. Et ça va passer pour l'Albigeois dans le quatrième tour. Faucher qui va ensuite devoir céder face au retour d'un autre calibre de la midget. J'ai bien sûr nommé Ronald Basso, le Parisien. Mazard, Langtui, Sirgue, Basso en 2 tours. Le classement a beaucoup évolué et ce n'est pas fini car à 3 tours de l'arrivée, Langtui va commettre une erreur.
va partir trop large dans l'herbe. Et le pilote de la midget numéro 2 qui va payer son erreur. Cash Ronald Basso en profite pour s'infiltrer à la deuxième position. Mais ce dernier ne sera pas tranquille pour autant, car derrière, Lantui est bien décidé à récupérer son bien et il met la pression sur son rival. Les deux hommes sont au coude à coude jusque dans les derniers virages de cette course. Et c'est finalement le drapeau à damier qui va venir sauver le Parisien. Et c'est Lionel Mazard qui s'impose devant Ronald Basso sur le fil. Et Jean-Noël Lantui. Allez, la dernière manche du week-end. Et dans cette course, c'est Hubert Terrier qui s'élance de la pole devant Florian Potier. Alors que dans le peloton, Mika Gedge a bien failli partir à la faute et a perdu au passage de nombreuses places. Devant, Didier Sirgue, lui, tente de se frayer un passage à l'intérieur. Mais malgré sa tentative, il ne parvient finalement pas à déborder Gutscho et Gomard. Pendant ce temps-là, Carrière s'est emparé des commandes aux dépens d'Hubert Terrier. Mazard, lui, s'est hissé à la troisième position. Mais la sortie de piste d'Olivier Destrio vient le couper dans son élan. La course est neutralisée pendant deux tours et au restart, Mazard s'attaque d'entrée à Hubert Terrier alors que juste derrière, Nicolas Gomard entame une belle remontée en débordant Hubert Terrier. Terrier qui va aussitôt répliquer. Et voilà le pilote de la numéro 55 qui va reprendre son bien. Une action qui profite également à Gomard qui va lui aussi passer Lionel Mazard. Carrière, Terrier, Mazard, Gomard. Voilà le classement à l'issue du sixième tour. Un classement qui va encore évoluer puisqu'après avoir dépassé Mazard, Gomard trouve l'ouverture sur Hubert Terrier. Lionel Mazard va tenter d'en profiter pour doubler à son tour le pilote de la midget numéro 55. Le leader du championnat va commettre une erreur et partir en tête à queue. Jacques Gutscho part malheureusement lui aussi à la faute en essayant de l'éviter. Un incident qui laisse le champ libre à Christophe Carrière, Nicolas Gomard et Hubert Terrier qui montent tous les trois sur le dernier podium de ce rendez-vous albigeois. Et pour entamer la toute dernière ligne droite de ce championnat 2011, direction un lieu mythique, le circuit Paul Ricard. Pour les quatre dernières manches de la saison, c'est la version courte du tracé du Castellet qu'emprunteront les concurrents. Une découverte pour certains, un retour aux sources pour d'autres. Mais pour tous, il s'agit d'une grande première au volant de ces petits bolides. Et nul doute que cette finale va tenir ses promesses, puisque c'est ici que va se jouer le titre 2011. Une couronne que se disputent quatre pilotes. Lionel Mazard, Ronald Basso, Jean-Noël Lantui et Jacques Gutscho. Quatre pilotes séparés par 82 points alors que 200 restent à distribuer dans le Var. Et pour le moment, c'est à Ronald Basso que la réussite sourit puisque le Parisien a signé la pole position de la première manche devant Christophe Carrière et Patrice Tiva, mais surtout loin devant Lionel Mazard qui ne s'élancera que depuis la 9e position. Allez, le départ pour 11 tours de ce tracé de 3,7 km avec Ronald Basso qui conserve l'avantage au premier virage. Le Parisien devance Carrière, Gédet, Gomard, Georges et Tiva au premier passage dans la courbe de Signes. Et dès cette première boucle, la lutte fait rage aux avant-postes. Alors que Basso tente de prendre le large, Carrière, Gedet et Gomard se disputent la deuxième marche du podium. Gomard, qui tout à sa bagarre, va se faire surprendre par son poursuivant, Stéphane Georges. Stéphane Georges qui pointe en quatrième position et se lance à la poursuite maintenant de Julien Gedet et Christophe Carrière. Christophe Carrière qui revient à toute vitesse sur le leader Ronald Basso qu'il parvient à déborder et à qui il dérobe les rênes de la course dans le quatrième tour. Basso ne s'avoue pas vaincu et reste au contact en attendant son heure pour répliquer. Une heure qu'attend également Julien Gedet en embuscade juste derrière. C'est ainsi un mano ponctué d'une dizaine de dépassements entre Basso et Carrière qui va rythmer cette fin de course.
Un duel que va finalement remporter le champion 2009, Ronald Basso. Basso qui reprend son bien à l'aspiration dans la ligne droite à deux tours de l'arrivée. Et Basso qui l'emporte devant Carrière et Jedet. Mazar lui termine au cinquième rang. Ça démarre bien, la voiture se comporte très bien. On était très vite avec Christophe, je pense. Lionel était un petit peu plus loin, je ne sais pas s'il a des soucis sur la voiture, mais on se fait vraiment plaisir ici. C'est vraiment un très très beau circuit. Une belle bagarre avec Christophe, donc c'était parfait. Et à quelques minutes de la fin de la saison, le suspense reste entier. Seuls 4 petits points séparent désormais Mazar de Basso. Mais l'Albigeois est en plein doute, victime de problèmes mécaniques. Ça va devenir très compliqué là. J'ai une fuite d'huile au moteur depuis vendredi. On n'arrivait pas à trouver cette fuite. Donc bon, je perds un peu de puissance. Je me trouve donc dans le paquet des 5-6. Et donc c'est compliqué pour moi de marquer des gros points. Donc la solution c'est de faire 4e la dernière course. Mais ça paraît compliqué. Ça va être le tout ou rien pour cette dernière manche. Je vais tout donner. Parce que bon, même si j'abandonne sur accrochage, bon, c'est pas très gênant en fait si je ne rentre pas dans les 4. Donc il me faut tout donner dans ce match. J'ai une voiture qui fonctionne très bien ce week-end. Lui apparemment est vraiment embêté avec la sienne. Donc je suis plus très loin derrière. Ça va se jouer à une ou deux places d'écart entre nous sur la dernière course. Aujourd'hui je suis plus confiant que lui à mon avis parce que j'ai zéro problème depuis le début du week-end sur ma voiture. On va voir comment ça se termine, mais bon, pour l'instant on est confiant. Alors entre un Lionel Mazar inquiet et un Ronald de Basso confiant, qui va décrocher la couronne tant convoitée? Le paddock nous donne son pronostic. Alors Ronald, c'est notre voisin. Donc je veux pas d'emmerde avec mes voisins, moi. Donc c'est pour ça que je préfère Ronald. Le favori pour 2011, bon, Lionel Mazar. Mon pronostic, bah, je pense que ce serait Basso, ce serait Ronald, parce que il a été régulier, il a toujours été devant les autres aussi, mais Ronald, c'est vrai que... on a une petite préférence peut-être. C'est le choix du cœur un peu. Un petit peu, ouais. Ronald a une excellente voiture pour la fin de saison et se montrera probablement plus dangereux que Lionel. Et il n'est pas exclu que finalement Ronald l'emporte sur le fil, c'est mon sentiment. Je trouve que ça ferait un très beau champion midget 2011 que d'avoir Lionel, même si j'ai beaucoup de respect pour Ronald. Mais vous me posez la question, il faut bien que je sois un des deux. Et ce serait plutôt Lionel. Sans hésitation, Donald Basso, c'est mon préféré, donc c'est pour lui que je vote. Et Donald donc? Donald vainqueur. Et vous, votre pronostic? Pareil, même chose, Donald c'est le meilleur. Ok, donc si c'est Ronald qui gagne, on est embêté quand même. Ah non, Ronald ne gagnera pas, ça ne peut être que Donald. J'ai amené ses palmes, il comprendra et pas de soucis. Moi je l'aime bien Lionel, donc j'espère que ça se passera bien pour lui ce week-end parce que je crois que Ronald il est quand même bien parti. Hein. Ronald sur l'ensemble de la saison, pour moi c'est lui qui mériterait d'être le champion, même si tous les autres pilotes doivent être respectés. Je pense que globalement sur la saison, pas forcément sur ce meeting, c'est peut-être lui que je vois gagner aujourd'hui. Et c'est dans cette ambiance bon enfant et fair play que Lionel Mazar et Ronald de Basso s'apprêtent à entrer dans la dernière ligne droite, celle qui va conduire l'un d'entre eux vers un double titre, celui de champion 2011, mais aussi celui du vainqueur de la Skoda Fabia Cup. A noter que Mazar s'élancera depuis la 5e place et Basso la 10e. Allez, plus que 11 tours et nous connaîtrons le nom du lauréat de cette midget 2011. Et pour ce dernier départ de la saison, on embarque aux côtés de Christophe Carrière. Et on assiste à un excellent départ de Jacques Gouccio juste devant. Le pilote de la 27 qui s'infiltre ici en 4e position. Bon départ également pour Julien Jedet, 5e au premier virage. Christophe Carrière doit lui se contenter de la 9e position. Pendant ce temps-là, devant, c'est Stéphane Georges qui s'est emparé des commandes de la course. Le pilote de la 78 devance Anthony Gandon, Manu Damiani, Jacques Gouccio, Lionel Mazar et Julien Jedet. Mais dès les premiers virages, Anthony Gandon va tenter de réitérer ses exploits du matin et il s'attaque à Stéphane Georges, sur qui il va trouver l'ouverture avant la fin de la première boucle. Gandon s'empare donc des commandes de la course, mais Georges ne l'entend pas de cette oreille. Et c'est une bagarre de rookie qui va débuter. Et Stéphane Georges qui va ainsi récupérer son bien dans la ligne droite à l'entame de la deuxième boucle. Mais alors qu'il tente de contre-attaquer, Anthony Gandon part à la faute. Il part en tête à queue à l'entrée de la ligne droite du Mistral et crée des turbulences dans le peloton. Stéphane Georges en profite alors pour conforter sa place, tandis qu'un peu plus loin, Lionel Mazar part lui aussi en tête à queue après un accrochage avec Manu Damiani. Débarrassé de Mazar, Damiani n'en est pas pour autant tranquille. Alors que Georges s'échappe en tête, le pilote de la numéro 10 se retrouve sous la pression de Jacques Gouccio.
Mais c'est finalement un autre pilote qui s'emparera un peu plus tard de la deuxième position. Au troisième tour, Julien Jeudet surprend en effet Damiani et Guccio, alors que Basso pointe lui à la huitième position, juste devant Lionel Mazar. Mais Basso sait qu'il doit l'emporter pour avoir toutes ses chances de décrocher le titre. Et il entame une belle remontée, dépassant en une seule fois Carrière et Terrier dans le même virage. Puis c'est Jacques Guccio qui va subir les assauts du Parisien. Guccio qui résiste avant de céder à l'entrée dans Signe. Et voilà, désormais Basso troisième, tandis que Lionel Mazar, lui, pointe à la septième place. Après Guccio, c'est donc à la poursuite de Julien Jeudet et de Stéphane Georges que Basso va se lancer. Il reste 4 tours et c'est une belle bagarre que se livre le trio de tête. Et Julien Jeudet qui va récupérer ici les rênes de la course aux dépens de Stéphane Georges. Plus loin, Lionel Mazar est lui englué dans le peloton et ne parvient pas à remonter. Il doit d'ailleurs aller au contact pour se frayer un passage. Deux prétendants au titre de stratégie, alors que Basso reste prudent dans la bagarre qu'il oppose à Georges et Jeudet. Mazar, lui, n'hésite pas à défendre virilement sa sixième place. L'Albigeois qui sait que sans une erreur de Basso, il lui faut une quatrième place pour décrocher le titre. Et cette erreur de Basso, la voilà, elle vient d'intervenir. Un accrochage entre le Parisien et Stéphane Georges. Dans la bataille, c'est Julien Jeudet qui en a profité pour s'emparer des rênes de la course. Il devance désormais Carrière et Georges, suivent Terrier et Mazar. Quant à Basso, il ne pointe plus désormais qu'à la huitième place. Et la chance ne va pas lui sourire en cette fin de course, puisqu'après de nombreux accrochages, le safety car va faire son entrée en piste. Une situation qui va priver Basso de remonter et réduire à néant ses espoirs de titre. La course est neutralisée pendant 3 tours et ne sera relancée que pour le dernier virage. Julien Jeudet l'emporte donc devant Georges et Carrière, et c'est Lionel Mazar qui décroche la couronne 2011. Et au classement général, 7 petits points séparent donc le nouveau champion Lionel Mazar de son dauphin Ronald Basso. La troisième marche du podium final revient à Christophe Carrière. C'est vrai que tous les deux on a notre lot de malchance en fait, et puis finalement à la sortie c'est moi qui remporte. J'avais mal commencé le week-end effectivement, je me suis accroché au gars qui était devant moi toute la dernière course en espérant que Basso fasse une faute, il l'a faite, j'en ai profité, j'ai gagné. Voilà, Lionel Mazar est donc le nouveau lauréat des Midget Series. L'Albigeois s'impose également en Skoda Fabia Cup et remporte ainsi la Skoda Fabia RS promise au vainqueur. Ainsi s'achève cette superbe saison 2011 des Midget Series. A très bientôt pour toujours plus de spectacles.